Est-ce que tu as la bonne personne dans ton couple qui va soutenir ton business? Ou faire en sorte que tu es tout le temps stressé, tout le temps pas bien, parce qu'il y a des conflits, il y a des problèmes émotionnels, et il y a des sujets que tu peux pas parler avec elle, il y a des tabous, tu peux pas parler de business, et tu dis, j'en ai marre de ton business, tu es toujours en train de faire ton business, ah, zéro soutien, tu perds de l'énergie, alors que c'est censé être la personne la plus importante dans ta vie, ton amie, ta conseillère, ton amante, ta meilleure amie, ta coach personnelle. Elle est censée avoir tous les rôles. Donc, ce petit check, regarde la personne à côté de toi, ton conjoint, ta conjointe, est-ce qu'elle te soutient? Est-ce qu'il te soutient? Est-ce qu'il te donne ce fameux conseil qui fait que ton business explose? Est-ce que cette personne te donne de l'énergie, te fait rigoler? Ou est-ce que c'est le néant multidimensionnel? Aïe! Mais ce n'est pas une fatalité, puisqu'on est dans le quantique. Et si tu as, par exemple, la Takia, le rituel pour transformer sa vie et influencer positivement les autres, si tu n'as pas ce rituel, va voir le lien qui est en bio et apprends la Takia. Hein, c'est la loi de l'attraction la plus puissante. Tu peux changer l'autre. Comment? En te changeant toi. Si tu as plus d'énergie, l'autre est obligé de monter de toute façon. Et c'est en changeant aussi ce que tu projettes. Souvent, dans le couple, on bloque l'évolution du partenaire. Avec un simple programme, il changera jamais. Elle changera jamais, j'en ai marre. Et là, tu l'as bloqué. Non, il faut changer cela en disant, elle devient de plus en plus comme ça. Il devient de plus en plus comme ça, c'est génial. Bon, après, il faut l'attaquer. Donc, vérifie bien que la personne qui est à tes côtés est un pilier puissant pour ton évolution aussi personnelle, énergétique, mais aussi professionnelle. C'est comme ça que ton business va vraiment exploser. En plus des stratégies, en plus de l'énergie, si tu as le soutien de ta moitié, c'est le bonheur.